à tous et bienvenue sur M6 pour cette 43e édition de 100% Poker. Et oui, déjà, vous le savez, c'est le premier tournoi que vous commencez sur Internet et que vous terminez ici, en live, sur notre plateau. À mes côtés pour vous commenter et vivre cette table finale, Fabrice Soulier, l'un de nos meilleurs joueurs français. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Karima, bonsoir à tous. C'est Jamel qui a remporté l'émission la semaine dernière. Le pensez-vous capable d'effectuer un doublé ce soir? Oui, bien sûr, il est tout à fait capable de renouveler sa victoire et son exploit de la semaine dernière. Et les 7 candidats de ce soir qui l'affrontent vont devoir être très vigilants s'ils veulent lui prendre sa place. Et si vous aussi vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas, tentez de vous qualifier sur le site 100%poker.fr comme l'ont fait nos 7 nouveaux joueurs. D'ailleurs, je crois qu'ils nous attendent, Fabrice. Ils nous attendent. Il est temps de les retrouver. On y va. Bonne chance à eux. Je vous rappelle, Fabrice, que le gagnant de cette émission repartira avec 500 euros offerts par EverestPoker.fr ainsi qu'une qualification pour l'émission suivante. Notre grand gagnant se qualifie également pour l'une de nos 5 finales intermédiaires avec à la clé un week-end à Monte Carlo d'une valeur de 2500 euros. Il sera dès lors qualifié pour la grande finale de la saison avec la possibilité, cette fois, de gagner 10 000 euros. Et on débute cette nouvelle émission par un point sur notre traditionnel classement. Fabrice, et c'est Jean-Claude à égalité avec Pascal, les chip leaders autour de cette table. 61 000 jetons. En bas du tableau, on retrouve Frédéric avec 21 000 jetons. Et à la quatrième position, on retrouve Jamel avec 43 000 jetons. Ils sont 8 joueurs autour de la table. En fait, pour l'instant, il n'y a que 7 joueurs. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe, Fabrice? Bien, je n'en sais rien. Il y a juste un joueur qui est très en retard. On l'a attendu tant qu'on pouvait, mais là, on est obligé de commencer le tournoi. Donc, on espère qu'il va arriver incessamment sous peu. Mais en attendant, on est d'accord que ces blindes fonctionnent quand même. Et évidemment, ces blindes tournent. Son tapis va fondre petit à petit. Philippe. Rien de très grave encore, hein, mais il ne faut pas trop qu'il tarde. En tout cas, ça commence bien pour nos joueurs à table, puisque Jackie et Philippe découvrent la même main, Fabrice. Oui, ça peut être intéressant. J'aime bien ce genre de coup. Ils ont la même et main. Philippe relance à tapis. Voir qui va l'emporter avec les mêmes cartes. C'est toujours sympathique à suivre. Roi-dame de pique pour Jackie, roi-dame de carreau pour Philippe. Philippe qui est à tapis, du coup. Jérémy, c'est à vous. Ça passe. Passe. Jamel. Passe. Passe. Jean-Claude. Jean-Claude qui passe, on a 5 de pique. Et Jackie passe. Philippe, vous remportez le coup. Ah, et Jackie qui a passé. D'accord, sur la relance de Philippe. Donc c'est intéressant. Philippe qui est un joueur qui connaît l'émission puisqu'il s'était déjà qualifié auparavant. On est ravis de le retrouver. Bonsoir, je m'appelle Philippe. J'ai 33 ans, je suis sans emploi à l'heure actuelle. Je joue au poker depuis 3 ans et demi maintenant. Je commence à avoir pas mal d'expérience en table live. Ça commence à bien me payer, on va dire. Récemment, sur le net, on n'est plus que 3, il n'y a qu'une place à prendre. Je suis short, j'ai la paire de valets, je veux pas la lâcher. Et je tombe sur la paire de rois. Les deux premières cartes, valets, valets. Ce qui a changé toute la partie et ce qui m'a permis d'aller vivre un très grand tournoi à Monte Carlo. Et ils sont toujours 8 autour de la table. Pascal est à 60 500 jetons, notre chip leader. En bas du tableau, on retrouve Frédéric avec 20 500 jetons. Et Philippe qui fait une belle opération sur ce coup grâce à cette dernière main. Il remonte à la 4e position. On retrouve à la 3e position Jamel, notre gagnant de la semaine dernière, qui joue ce soir pour un doublé, pour gagner 1500 euros, alors que les autres joueurs jouent pour lui piquer sa place, bien entendu, mais également pour 500 euros. Passe. Passe. Jackie. Passe. Philippe. Philippe encore avec une main à jouer. Une paire de 3. Passe. Ça passe. Frédéric. Passe. Passe, Jérémy. Ça passe. Passe. Pour l'instant, Jamel. Il n'y a personne sur sa route. Oh, Jamel. Jusqu'à Jamel, notre gagnant de la semaine dernière. Alors, relance. Je chuchote parce que j'ai relance, peur oui. qu'il nous entende. 10 000. Jamel 10 000. Qui a 2 as. Jean-Claude. 10 000, les blindes sont à 2 000, 4 000. Est-ce que c'est cher payé ou est-ce que c'est bien joué? C'est pas mal joué. Jean-Claude passe. Et vous remportez le coup, Jamel. Bonsoir, je m'appelle Jamel, sans emploi, 29 ans, Saint-Etienne. Et j'ai commencé à jouer au poker il y a 2 ans.
J'ai découvert le poker à la télé et sur internet. Ma semaine depuis ma victoire s'est bien passée. J'ai été félicité par tout mon entourage et je me suis préparé pour cette semaine en jouant des parties sur internet. On fait un point sur notre classement. Pascal, chip leader, 56 000 jetons en bas du tableau. On retrouve Frédéric, 20 000 jetons. Et Jamel, notre gagnante de la semaine dernière, est en troisième position avec 50 000 jetons. Et le premier parole, c'est Jackie. Passe. Ça passe. Philippe. Alors, que va faire Philippe? Passe. Philippe passe. Frédéric. Passe. Passe également. Jérémy. Ça passe. Passe Jamel. Ah, Jamel. Jamel. Relance. Genre de main qu'il aimait bien la semaine dernière. Notre gagnant de la semaine dernière. Avec Roi-Dame. Il relance passe. À 10 000, c'est bien. Et c'est à vous, Cédric. C'est un bon montant. Est-ce que ça va suivre? C'est payé, ça 10 000. Et Cédric, il paye. Avec 6, 8, je suis pas trop dépareillé, fan. Oui. Je suis pas trop fan de défendre sa grosse blinde comme ça. Avec 6 et 8 dépareillés. Ok. Heads up. Il va tellement souvent être obligé d'abandonner le coup au flop que c'est presque de l'argent mort qu'il donne à son adversaire. Allez, tout dépend des cartes qui vont sortir. Peut-être que ça va le sauver. 2 de carreau et valet de cœur. Alors, on va voir premier ce qui va parole, se passer. Cédric. 10 000. Ouverture à 10 000. Jamel. Alors c'est sûr que là, la stratégie, du coup, il a changé. Il s'est dit, je paye, si je rate, je mise. C'est pas idiot, ça pourrait faire flancher Jamel. Alors que va faire notre gagnant de la semaine dernière? Il va passer. Il passe. Et bien joué, Cédric. Vous nous avez fait mentir, bravo. Beau bluff. Merci. Et bonsoir, je m'appelle Cédric Cellier, j'habite à Béziers, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants et ça fait à peu près 2 ans et demi que je joue au poker. Je joue normalement, le plus souvent, je suis très serré quand je joue. Sauf quand j'ai beaucoup de stacks où je peux me lâcher un peu plus et où j'arrive à être un peu plus agressif. Je fais toujours des stratégies, j'essaye de voir à peu près, de jauger les gens, de savoir exactement comment ils jouent, s'ils jouent serré ou plus agressif, ou si je peux plus les bluffer ou pas. Donc oui, je fais une petite stratégie en début de partie. Un point sur le classement, ils sont toujours 8 autour de la table. Cédric est le chip leader du moment, 62 000 jetons. Frédéric est en bas du classement avec 19 000 jetons. Premier de parole, Frédéric. Frédéric, qu'on n'a pas vu jouer encore avec Roi-Valet. Je relance. Oui. Alors c'est lui qui est le plus short stack. À 12 000, il va lui rester pas grand-chose. 6, 7 000 derrière. À tapis ou est-ce oui, que c'est à peu près le même fait. Je pense pas qu'il puisse reculer de toutes les façons maintenant. Jamel. Roi-Valet, 12 000. Je passe. Passe également, Jean-Claude. Dame-Valet chez Jean-Claude. Suivi. C'est payé, 12 000. Suis. Cédric. Cédric avec 6 et 10 de carreau. Passe. Jackie. Qui passe. Jackie avec Dame 7 va passer aussi. Philippe. Pardon. Philippe avec 10 et 2. Va passer aussi. Qui passe aussi, bien sûr. Allez, ça va se passer entre Frédéric et Jean-Claude. Vous êtes deux joueurs. Gros avantage à Frédéric. Roi-Valet contre Dame-Valet. 9 flop. 5 de pique. 9 de trèfle. Et 9 de carreau. Premier de parole, Frédéric. C'est là qu'il ne faut pas flancher. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agresser l'adversaire pour qu'il passe. Et le problème, c'est qu'il lui reste que 6500. Check. Check. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il ne va pas faire l'erreur de ne pas faire tapis. Parce que pas faire tapis pré-flop, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il faut décomposer son tapis en deux temps et être capable de faire au flop tapis avec 10 000. Quoi qu'il y ait au flop. La première fois 12 000. Parce que là, il peut se faire bluffer. Non, c'est moi, j'ai mal entendu. Ce serait vraiment dommage. Ce sera 12 000 pour suivre Frédéric. 12 000 pour suivre, ça voudrait dire que il doit engager ce qui lui reste de jetons. Ah oui, son tapis. Il lui reste 6500, Frédéric. Payé. Ah, allez, c'est bien. C'est payé, c'est tapis. Ouf, donc, il m'a fait peur. Après, les jeux, s'il vous plaît. Allez, il reste devant. Il doit penser à derrière, Frédéric, et en fait, il est bien devant. Roi-Valet. Grande surprise. Oh, il n'a pas l'air très content. Pourtant, il peut l'être. Vous ne pouvez pas espérer beaucoup mieux. Hein. Il n'y a pas de dame. Hein.
Et oui, pas de dame, effectivement. Il y en a une déjà, c'est bon. Allez, on va voir le turn et la river. Une dame ou pas de dame? Un roi, pour être tranquille. Pas tout à fait. Encore, il y a encore des tirages quintes avec un roi. Mais là, là, il n'y a vraiment plus que la dame. Plus que la dame pour l'éliminer. Sinon, il va doubler son tapis. Rivière. Attention. Le 6 de trèfle, hauteur roi. Tout va bien. Et oui, tout il double son Fred. Tapis, Fred. Bonsoir, je m'appelle Frédéric, j'ai 28 ans. Je suis agent SNCF. Ça fait à peu près 5 ans que je joue au poker. J'ai découvert le poker pendant des vacances avec des amis. C'est un hobby, ça me permet de me retrouver avec mes amis pour faire des petites soirées et jouer entre amis en fait. Moi, j'ai pas particulièrement de style de jeu. Je joue avec, j'essaie de jouer au maximum avec les cartes que j'ai et c'est au feeling en fait. On augmente les blindes, Fabrice, 2500, 5000. Allons-y. Ça passe, Jamel. Passe, Jean-Claude. 5000 pour suivre. Passe. Cédric, c'est à vous, 5000 pour suivre. Cédric avec Roi 6. Ça passe. Qui évidemment passe sa main. 7-2, Jackie. Oui, je crois qu'il va passer. On ne va pas réfléchir passe longtemps. Philippe. C'est la plus mauvaise main du poker. Ah, en revanche. Pour Philippe, c'est encore une très belle main, une paire de 10. Oui, relance. 13 000. À 13 000. C'est à vous, Jeff. Philippe connaît l'émission, Philippe a déjà participé, donc il sait qu'il doit faire preuve d'agressivité pour rester dans le tournoi. C'est ce qu'il est en train de faire. Je relance. Et rencontre Frédéric. Il rencontre Frédéric qui a l'air à tapis. Très agressif. Donc, qu'est-ce que tu me fais, là ? Philippe, quoi, tu relances, putain. C'est à vous. Il a payé. Et c'est payé les jeux. C'est ce qu'il fallait faire, non ? Bien sûr, bien sûr. Quand il a investi 13 000 sur ses 40. As-Valet. Yes. Voilà, il est content. Voilà. Parce qu'il est sur un coin flip. Le flop. 5 de trèfle. As de carreau. Allez, un petit 10. Dame de carreau. Et oui, maintenant. Non, faut pas appeler les cartes. Aïe, aïe, aïe. Avantage, avantage Frédéric, là. Faut pas appeler, faut pas appeler. On a le droit d'appeler les cartes. Si tu veux, on a le droit. Mais... Ouais, le roi, ça serait dangereux aussi. Allez. 10. Turn. Dame de cœur. Ça me va, ça me va. C'est toujours un 10 qu'il lui faut. Un 10 pour sauver Philippe. Ouais, plus que ça, le 10. Allez. Dame encore, c'est bon. La rivière. Et c'est le 10. Ouh, le 10 incroyable. Il l'a appelé. 10 dames. Ce qui est et incroyable, c'est de regarder les réactions de nos candidats. En... Frédéric qui nous quitte. On peut quand même l'applaudir. Désolé. Ils sont beaux joueurs, ils se serrent la main. Voilà, merci messieurs. On continue à jouer tout le monde. Et je vous propose tout de suite d'écouter les impressions de Frédéric sur cette partie. Merci beaucoup, à très vite. Bon, je pense que j'ai bien joué ma main. Après, c'est le poker hein, sur la river et touche sur 10, ça lui fait full. Alors que j'étais devant jusqu'à cette dernière carte. Après, bah, je suis pas mécontent de mon jeu. Les quelques coups que j'ai fait, j'ai réussi à faire un coup avant qui m'a permis de remonter un peu mon stack. Et sur ce coup-là, ben, c'est la pas de chance. Donc voilà, c'est le poker. Philippe, qui vient de gagner ce gros coup, prend donc la tête de ce classement. Il devient notre chip leader avec 97 500 jetons. Jamel, notre gagnant de la semaine dernière, est toujours là. Et le premier de parole, c'est Jamel. 5000 pour Jamel qui découvre une paire de 7. Qui fait plaisir. Et oui, qui pourrait faire jackpot. Tapis. 3-7. Relance tapis. Jean-Claude. Tapis. Allez, Jamel. Ouh, oula. Il va être payé certainement par Jean-Claude avec son As-Dame. Et ça démarre sur les chapeaux de roue, cette partie. Oui, payé. C'est payé. C'est payé par Jean-Claude. Oula. Cédric. On a attendu un candidat qui a dit « Oula, ce pot l'a effrayé. » Couché. Et c'est sûr, quand, avant d'avoir vu ces cartes, on entend Jackie. Tapis payé. On se dit, bon, là, il va falloir que je découvre du lourd quand même. Genre de dame, de roi, de as, de valet peut-être. Pas la main de Jackie, par exemple. De 10, ça commence à être. À faire un peu mal au crâne. Vous avez un peu mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, passe. Philippe passe. Jérémy. Jérémy, par exemple, avec ses 2-5. Doit vite s'échapper. Oui, il est en gros c'est pour ça. Il va quand même se poser la question. Mais je pense que raisonnablement, il peut jeter 2-5 là.
Jérémy passe. Voilà. Messieurs, les jeux, s'il vous plaît. Alors, trop d'action avant. As-Dame. Ça veut quand même dire quelque chose. Jean-Claude et paire de 7. Chez Jamel. C'est un coin flip, un pile ou face. Aïe, ça commence mal. Tout de suite, l'as pour Jean-Claude. Jamel est à la recherche d'un 7 maintenant, désespérément. D'un 10 et d'une dame pour partager, peut-être. D'un 10 ou d'une dame pour partager, ce qui est encore plus improbable. Mais attention, il reste deux cartes. Le roi de trèfle. Aïe, 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 là c'est impérativement le 7 maintenant dont il a besoin. Un 7. Eh oui. C'est arrivé tout à l'heure à Philippe, hein, alors pourquoi pas. La rivière. Aïe. L'as de trèfle. Et non. L'as de trèfle qui c'est lui un fait full. Pour Jean-Claude. Vous avez coup dur pour le moral de Jamel. C'est comme ça, c'est un coin flip, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu aussi. Bon, bonsoir, je m'appelle Jean-Claude Anselme, je suis 7 et 66 ans et retraité. Et je joue au poker, ça fait une quarantaine d'années, mais certainement une trentaine d'années au poker fermé. Mais le poker, c'est un jeu que j'affectionne très bien et qu'il me fait passer, c'est un passe-temps terrible qui me prend quand même assez de temps et bon et qui puis me fait découvrir beaucoup de trucs et bien surtout beaucoup d'amis. Voilà. Et c'est Philippe, notre chip leader avec 97 000 jetons et Jamel se retrouve donc tout en bas du classement avec 4 500 jetons. Même pas de quoi payer la grosse blinde puisque nous venons de les augmenter, nous passons à 3 000, 6 000. Il est d'ailleurs de grosse blinde là tout de suite Jamel, donc il va être obligé de jouer ce coup-là. En tout cas, il va devoir faire face à Jean-Claude, c'est sûr, puisque Jean-Claude va jouer cette main avec As-Roi de cœur. Cédric. Couché. Ça passe. Jackie. Ça va être dur de remonter, là. Jackie passe. Philippe. Valet 10 chez Philippe. Passe. C'est raisonnable de jeter, bien sûr. Et Jérémy, à suite de trèfle. À suite de trèfle, est-ce que... J'espère que ça ne va pas le tenter, les petites blindes. Bonsoir, je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans, je suis étudiant en école de commerce à Chambéry et je joue au poker depuis environ 2 ans. J'ai découvert le poker en jouant avec des amis lors de soirées. Ensuite, je me suis un peu plus intéressé parce que c'était un jeu qui me plaisait et donc voilà. Mon style de jeu, ça dépend vraiment de l'ambiance qu'il y a à la table. Si je vois que tout le monde est un petit peu serré, j'essaie d'être un peu plus agressif. Si je vois justement que c'est très agressif, j'essaie d'être serré. Je m'adapte en fait, j'essaie de m'adapter au maximum. Ça lance à combien ? 16 000. Il est en train de calculer combien il y a sur la table déjà. Il fait tapis. Ça tombe mal. Jamel, vous êtes déjà à tapis. Oh là là, et Jamel à la suite aussi. Ça va être très très difficile pour ces deux joueurs. Jean-Claude qui réfléchit, je ne sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, Jamel n'a pas regardé ses cartes. Hein. C'est payé. Il veut y aller blind. Il ne veut vraiment pas les voir. Après les extérieurs, je vais vous demander tous les trois de dévoiler vos jeux, s'il vous plaît. Alors attention, ça peut être fatal. Jean-Claude peut éliminer deux joueurs. As-Roi de cœur chez Jean-Claude et... Et oui, à suite. Oh là là, ils sont pas contents évidemment, Jérémy et Jamel. Il dit on est mort, c'est pas vrai, c'est pas complètement vrai, mais ils sont pas dans de beaux draps pour l'instant. Avantage du côté de Jean-Claude pour l'instant. Gros avantage du côté de Jean-Claude évidemment. Le flop, deux trèfles. Un trèfle par exemple, plus. Oh, et le voilà, le trèfle peut-être qui donne beaucoup d'espoir à Jérémy maintenant. Il est remonté très fort dans les sondages, Jérémy, avec ses deux trèfles au flop. Alors que attention. Du côté de Jamel, là... Jean-Claude un peu inquiet, du coup. Turn. Et Jamel... Le 4. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un 3 maintenant vienne à la river, pour que tout le monde partage, voilà. Au moins... Tout le monde serait gagnant. Jérémy a besoin d'un trèfle, Jamel a besoin d'un 3, et Jean-Claude n'a besoin de rien. Il ne faut juste pas que ça change. Ça lui suffit, il a la gagne avec As-Roi. Pour moi, si. La rivière. Allez, la river. Et non. Et non. Et il élimine deux joueurs d'un coup. Et non, Jean-Claude l'emporte et Jérémy et Jamel nous quittent. Nous perdons deux candidats d'un coup. Le gagnant de la semaine dernière et Jérémy. C'est dommage. C'était bien joué, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Merci Jérémy, on vous a pas beaucoup vu. On les écoute, merci beaucoup.
un petit peu déçu parce que sur le coup j'ai regretté un petit peu mon choix. J'étais short stack, il me restait moins de 10 grosses blindes. Je me dis j'ai la suite à trèfle, donc du coup je décide d'y aller. J'ai vraiment cru en mon trèfle, j'ai vraiment cru qu'il allait tomber. Malheureusement il n'est pas tombé, donc peut-être si j'avais attendu et si j'avais passé ma main à suite à trèfle, peut-être que je serais encore là-bas, mais bon tant pis. Je suis assez déçu. J'ai envoyé mon tapis avec une paire de 7. Mon adversaire trouve un full. Bon, c'est le jeu. J'ai pas eu de chance. Donc, j'essaierai de faire mieux en finale. Ils sont toujours 5 autour de la table après le départ de Jérémy et de Jamel. Jean-Claude et Chip Leader, 112 000 jetons. Jackie en difficulté, 25 000. Attention. Allez, Cédric. Relance ça. 16 000. Attention, 16 000. Cédric avec As-Roi. Jackie. Qui relance. Il a bien raison. Et Jackie derrière avec une paire de 6. Bonsoir, oui, je m'appelle Jackie, j'ai 44 ans, je viens d'Ardèche. Et ça fait très très longtemps que je joue au poker. Je me suis mis un peu comme tout le monde depuis une dizaine d'années sur Internet. Mais sinon, nous, on y jouait depuis l'âge de 16 ans, pour ce qu'on appelle le poker fermé, et on continue de temps en temps à le faire. Ouais, généralement, j'essaie toujours d'être agressif, même si souvent ça m'emporte. J'essaie de repérer surtout les moments où je suis en plein rush. Et puis les moments où même avec des bonnes mains, il faut se coucher parce que ça ne va pas sortir. Donc voilà, et j'ai pas une stratégie qui fonctionne tout le temps bien. Décision difficile ou pas, parce qu'à 24 000 jetons, je crois que le problème ne se pose pas. Tapis. Voilà, bien joué Jackie. Et il sera évidemment payé, mais tant pis. Il faut qu'il prenne sa chance. Ça passe, Jean-Claude. Il prenne sa chance de doubler peut-être son tapis. C'est payé chez Cédric. Messieurs les jeux, s'il vous plaît. Alors, ça se passe entre Cédric et Jackie. Jackie est à tapis. Une petite paire. Une petite paire de 6. Qui est légèrement devant. Ah, c'est le premier jeu que j'ai. Si ce n'est que je crois que l'un des joueurs a jeté un 6. 9 flop. Allez. As-Roi contre paire de 6. Roi de paire. Aïe. Un petit 6. Qu'il est difficile, qu'il est dur ce roi. Ah oui, un 6. Très dur pour Jackie. Pour sauver Jackie, un 6. C'est toi qui as dit quand on les appelait les venus. Non, pas trop. Pas trop. Tout à l'heure, il a cherché le 7. Hein. Philippe, c'est pour ça. Tout à l'heure, il a tombé le 7, il a plus encore attendu. Le 10 de trèfle. Et il doit absolument trouver le dernier 6 pour s'en sortir sur la river, Jackie. Sinon, il sera éliminé lui aussi. Attention. Attention, la river. Attention, la rivière. Ouais, c'est pas mal, c'est encore mieux. Et non, malheureusement, de pique, de Jackie pour Cédric est éliminé du tournoi Jackie, sur cette main, malheureusement. Merci pour votre Jackie. Bonne humeur, en tout cas, Jackie. Revoir, ils sont fair play ce soir, nos candidats, ils en tout sont cas. Très fair play de manière générale. Je suis très fier de nos joueurs. C'est très bien de perdre comme ça avec le sourire. En tout cas, on va tout de suite écouter ses impressions sur la partie. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir été des nôtres. Ah, bah, toujours un peu la déception, c'est normal. Surtout lorsqu'on n'a pas eu forcément du jeu. J'ai eu deux mains pour table, la toute première sur la première mise, mais il y a Philippe qui est à ma gauche qui envoie tapis tout de suite, même si j'ai Roi-Dame, c'est quand même difficile de s'envoyer en l'air d'entrée. Après, j'ai vraiment pas eu de jeu et je me fais sortir avec paire de 6 contre As-Roi, mais c'est la seule main, il me reste juste même pas un tour de table. Donc après, pas de regret, il y a des soirs où il faut toujours avoir un peu de chance au poker pour pouvoir quand même passer. Cédric prend la tête de ce classement, 123 000 jetons, Jean-Claude 108 500, Philippe 81 500, Pascal, notre absent, 32 000 jetons. Philippe, c'est à vous. Attention, Philippe. Je relance. Relance annoncée. Qui relance ? Voilà. À 22 000. Pas décidé à se laisser faire, Philippe. Jean-Claude. Il a raison. Il agresse la table. Bon. Passe Cédric. Et Cédric. Ah, Cédric. Qui cette fois. T'as combien derrière ? Ouh là là, regardez comment il se regarde. T'as combien derrière ? C'est une histoire d'homme, cette finale. Mais Cédric doit-il y aller avec un 6-2 de cœur ? Non, mais il essaye de jouer un petit peu à l'impression. De jauger un peu la force de la main de son adversaire en lui posant une question. Ça peut être intéressant parfois. Merci.
pourquoi pas. Cédric, toujours chip leader de cette partie, 137 000 jetons, suit Jean-Claude, 108 000, Philippe, 82 000, Pascal, notre absent, 16 000. Les blindes sont à 6 000, 12 000. Et Philippe, c'est à vous de parler. C'est à Philippe de parler. Passe. Ça passe, Jean-Claude. Oula. Il a bien fait de passer, Philippe. Bien fait de passer, Il a hésité un petit peu avec son valet 8, voilà. Puisque Jean-Claude a une paire d'as. 24. J'espère que Cédric 24, ne va pas 24. Penser. Il n'a pas grand-chose. Ne va pas penser que c'est un bluff, surtout. Cédric. Et qu'il est en train d'essayer de voler leur blinde. Il a vraiment une main très faible, heureusement. J'espère qu'il ne va pas tenter un move. Ça peut lui traverser l'esprit, je le sens. C'est bizarre. C'est payé. Aïe. C'est payé, 24 000. Ouais, il se contente de payer. Je ne m'attendais pas à celle-là, je dois dire. Payé avec 6 et 10 hors de position. J'aime pas trop, j'aurais préféré malheureusement qu'il relance. Voyons ce qui se passe au flop. Le flop. 8 de pique, 2 de pique et dame de carreau. C'est à vous, Cédric. Là, Cédric a complètement raté son flop. Heureusement check, pour lui. Check, Jean-Claude. 42 000. Et Jean-Claude, allez, qui veut récupérer voilà. Tout passe. Ce qu'il y a au milieu maintenant. Mais Cédric a perdu quand même quelques jetons pour pas grand-chose. Oh, il aurait pu leur montrer, Jean-Claude, ses deux as quand même. Je pensais. Ah, il les a montrés. Ah, il les a montrés. Il les a montrés. Jean-Claude, chip leader, 162 000 jetons. Cédric, 105 000. Philippe, 68 000. Pascal, qui est absent, 8 000 jetons. Je vous rappelle que ces trois joueurs ont commencé la partie, enfin ces quatre joueurs ont commencé la partie sur Internet. Ils la finissent ici en live sur notre plateau. Alors si vous aussi, vous avez envie de jouer, tentez l'aventure, tentez de vous qualifier sur le site 100%poker.fr. Les filles, ce message s'adresse à vous également, car nous n'avons pas de joueuses autour de la table ce soir. Je relance. Philippe. Philippe passe à l'attaque. En tout cas, je sais qu'il est tard devant votre télé, mais si vous avez envie relance de jouer tapis, un tournoi Philippe. Gratuit, n'hésitez pas. Jean-Claude. Il y en a qui le démarrent tous les quarts d'heure aussi. Pour vous. Alors, Philippe, qui fait tapis avec roi de pique. Bien sûr, c'est intéressant, mais il est mal tombé. Il a bien fait de le faire quand même. Il n'est pas très bien tombé. Il fait douter un petit peu Jean-Claude. Mais Jean-Claude aime bien prendre son temps avant de payer. Et je crois qu'il va payer. Mais Jean-Claude doit donner une décision au bout de 15 secondes. Il passe. Ça passe. Oh là là. Voilà pourquoi il faut attaquer. Parce qu'il peut faire passer des mains plus fortes que la sienne. Et on vient d'en avoir la preuve. Un point sur le classement, 138 000 jetons pour Jean-Claude, notre chip leader. Philippe remonte à la deuxième position, 107 000. Et Cédric, troisième avec 98 000 jetons. Je vous rappelle que les blindes sont à 8 000, 16 000. Et oui, on vous rappelle aussi que dans 100% Poker, il n'y a qu'un seul gagnant. C'est pour ça que vous sentez cette tension de fin de partie. Ils sont trois. Il y en a un de ces trois qui va repartir avec 500 euros. Les autres auront des cadeaux. Ne vous inquiétez pas, des mallettes de jetons, etc. Mais il n'y a qu'un véritable gagnant. Ah oui, il y a plein de cadeaux. Ça, c'est sûr. Je crois qu'ils sont bien traités, nos candidats. Oh bah oui. Cédric. Ah, Cédric aussi a été bien servi, j'ai envie de dire. Et oui. Relance tapis chez Cédric. Bien sûr, tapis. Et ça va faire trop, ça va faire trop pour Jean-Claude. Je pense qu'il va passer assez facilement cette main. Passe. Et voilà. Bien joué Cédric. Le bouton chez Jean-Claude. Il a arrêté tout net l'action. Et il est temps d'augmenter les blindes. Fabrice, on passe à 10 000, 20 000. Et oui, messieurs, nous ne sommes plus là pour rigoler. Les blindes augmentent. Il va falloir jouer. C'est celui qui va être le plus agressif, qui va prendre le plus de chances de remporter ce tournoi. Jean-Claude, c'est à vous. 20 000 pour suivre. Passe. Cédric. C'est payé 20 000, Philippe. Que va-t-il faire? Check.
check, check. On va voir un flop. Allez, ça fait un moment. Ça fait un moment, vous vous souvenez, ce sont les trois cartes qu'on met au milieu de la table qui déterminent le jeu. C'est le parti. Flop. Roi de cœur, 4 de cœur, 9 de trèfle et c'est à vous. Ah, pas un premier. 20 000. Bien Lise joué. 20 000. Philippe. Il donc bête 20 000. Pourquoi bien joué? C'est bien joué parce qu'il a la moins bonne main et qu'il va normalement gagner ça ce passe, coup. Voilà. Cédric, et que c'est l'air de rien un gros coup. Il y a 60 000 dans le coup. Avec les blindes, les hantées. Jean-Claude, chip leader, 152 000 jetons. Cédric, 135 000 jetons. Philippe, 56 000 jetons. Cédric, c'est top. Passe. Passe, Philippe. Tapis. Tapis. Philippe, allez, Philippe attaque. Allez. Et qui fait tapis tout de suite, il a bien raison. Combien de tapis? Va-t-il trouver Jean-Claude pour l'affronter? Il a quand même 34 000 à rajouter, Jean-Claude. Ça me paraît un peu beaucoup avec son 5 et 6 de cœur. Il peut avoir envie, il peut être tenté. 34 000 de mieux. Et le temps. Et le temps. Vous pouvez utiliser votre jeton de time supplémentaire, hein, parce qu'il faut prendre une décision immédiate. Ça passe. Et voilà, c'est Philippe qui remporte ce coup. Et oui, Philippe. Jean-Claude était à deux doigts de le payer. Cédric, chip leader, 165 000 jetons. Jean-Claude, 133 000. Philippe, 45 000. Et il est temps d'augmenter les blindes. Nous passons à 15 000, 30 000. C'est très cher. Il va falloir y aller. Il va falloir devenir agressif s'ils veulent remporter le titre ce soir. Et c'est à vous, Cédric. Cédric, un joli roi valet. Relance. Ça relance, bien sûr. 60 000. À 60 000. 60 000, relance minimum. Philippe. Philippe, qui espère avoir du jeu sur cette main-là. Aïe, aïe, aïe. Dame 6. Et il s'apprêtait à passer. Il s'apprêtait à passer, il s'est repris. Jean-Claude. Il a raison, je crois qu'il faut qu'il y aille. Oh là là. Mais c'est très bien pour Philippe, finalement, parce qu'il a Dame 6, il a deux cartes vivantes par rapport au jeu de ses adversaires. Donc, il peut s'en sortir. Et il reviendrait très, très fort dans la course s'il gagnait ce coup. Il vaut mieux qu'il fasse ça maintenant, de toutes les façons, plutôt qu'il attende encore une main qui n'est plus que 22 000 devant lui. C'est très bien. À votre avis, pourquoi hésite-t-il? Je ne sais pas. Parce qu'il entend un relance et payer derrière, il a peur d'être et battu. Je paye. Vous? Paye. Il a alors dit je paye. Payez, donc vous payez 60 000. J'ai entendu je perds. Je pense que alors, notre croupier également. Moi je peux prendre en compte que payer. C'est dommage Jean-Claude ici. C'est là qu'il manque un peu de notion donc, d'après moi. C'est qu'il ne peut pas payer là. Je pense qu'il aurait mieux fait de relancer. Donc ça vous pouvez leur prendre. Philippe est à tapis. Le flop. Alors le flop. Ouh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Dame de trèfle. Ouh, il va faire mal celui-là. Il va faire très très mal. Tout le monde a touché. Tapis. Payé. Et bien sûr. Chez Cédric. Oh, il a peur, Philippe. Attention, il a peur, Philippe. Parce que, attention, on peut assister et au dernier coup de cette partie. Karima, du coup, ça pourrait être le dernier coup, puisque c'est Cédric qui a la meilleure main et c'est Cédric qui a le plus gros tapis. S'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'un 10 ou qu'un as vienne, qu'une dame. Incroyable. Cédric peut éliminer allez, deux joueurs d'un seul coup. Dame. Je crois que ce n'est pas arrivé très souvent dans 100% poker. Turn. Attention, le 3 de carreau et la river. Donc, la river. Il faut un 10, un as pour que ça change quelque chose ou une dame. Sinon, c'est Cédric qui est notre champion de ce soir. Attention, une seule carte, trois candidats. Rivière. Oh, c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Et on perd Philippe. Donc, et on perd Philippe, malheureusement. Philippe. Malheureusement, on perd Philippe sur ce coup là, là. C'est dur, hein. C'est dur à vivre. Voilà. Oh là là, on perd Philippe et Cédric perd beaucoup de jetons. Désolé Philippe, merci. En tout cas, merci d'être revenu nous voir Philippe. C'est merci. La deuxième fois qu'il vient nous rendre visite et c'était quand même un plaisir de l'avoir à nos côtés. A très bientôt, peut-être dans 100% Poker, on l'écoute tout de suite. J'ai perdu ce soir, j'ai pas eu beaucoup de jeux.
J'ai essayé de prendre les positions au maximum avec sur une table agressive, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas été opportuniste, je dirais. J'aurais pu essayer de voler un peu plus. Alors le dernier coup, il se déroule assez simple. Je suis en train de me faire aspirer par les blindes et j'ai une dame. Ce qui m'a suffi pour envoyer tapis. Et derrière, les deux joueurs vont à tapis aussi après flop, eux. Donc là, je sais que quand je vois le flop qui sort, roi, valet, dame, je vais peut-être toucher ma dame, mais je sais que c'est perdu. Le tête-à-tête final commence. Jean-Claude, 311 000 jetons, affronte Cédric, 32 000 jetons. Et je vous rappelle que les blindes sont à 15 000, 30 000, c'est-à-dire que Cédric est quasiment à tapis blinde, Fabrice. Il est tapis blinde, même avec ses antés qu'il a dû mettre avant, oui. Karima. Donc voilà, c'est fait. C'est fait, il est à tapis. C'est les cartes qui vont décider du sort de Cédric sur cette main. Vous, espérons pour lui qu'il a un bon jeu entre les mains. Voilà, et je vous rappelle quand même, Karima, qu'on a déjà assisté à une remontée de ce type. Donc, rien n'est perdu. Il a A7. En plus, il a la meilleure main, Cédric. On a déjà assisté à une remontée où l'un des joueurs avait 30 000 et l'autre 300 000. Exactement le même cas de figure. Donc, il faut y croire. Attention, c'est le flop. Et c'est... ça commence bien. Il lève les yeux au ciel. Attention. Il dit ouf. Attention, il ne faudrait pas qu'il fasse deux paires. A7. Voilà, il ne faudrait pas qu'il fasse deux paires à 7 maintenant. Il a envie de gagner, hein, Cédric. On sent qu'il est motivé. Ah, il a oui. très envie de gagner. On va finir sur le bouquet. Un 10, maintenant il y a un 10, un 6. Un 7. Non, le 6 n'est pas bon, pardon. Le 6 n'est pas bon, puisque A7, il ferait quinte. Avec A7, Cédric. Pour moi. Donc il n'a qu'un 7 ou un 10. 7 ou 10. Attention. Non. Et c'est bon. Cédric double son tapis, il reste dans le match. Mais il va falloir doubler encore une fois pour que ça devienne dangereux. Un point sur le classement, Jean-Claude, toujours chip leader dans ce heads-up final. 279 000 jetons face à Cédric, 64 000 jetons. Les blindes sont à 15 000, 30 000, ils ne sont plus que deux. Dans un instant, nous allons avoir notre nouveau gagnant. Dans un instant ou dans plusieurs mains, Karima, nous ne savons pas. C'est cette vous, main, Cédric. En tout cas, est déterminante. Ah ouais. Et ça va... encore Cédric voilà, a une Cédric. Très jolie main. J'ai commis. Il peut revenir. Alors, contre Valet 10 qui va être payé en plus. Il va être payé en plus, Cédric. Je vais. Eh oui. 31 000 de plus. C'est deux mains qui se tiennent. 31 000 de mieux. Cédric est très content de découvrir Roi Dame de cœur. Jean-Claude, et Jean-Claude, s'il vous plaît, on a Roi Dame de cœur. Paye volontiers, bien sûr. Puisqu'il a une jolie main aussi, Valet 10, et qu'il n'a que très peu de jetons à rajouter. Flap, 2 de carreau, 3 de carreau, 8 de carreau. Personne n'a de carreau. Ça tout ne change bien. Rien, il faut absolument un valet ou un 10 pour Jean-Claude. Sinon, c'est Cédric qui va remonter. On va partager, non. À 128 000. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Encore deux carreaux, on partage. Ouais. Et il a dit encore deux carreaux, on partage, mais maintenant il vient de toucher sa dame. Donc il veut tout sauf du carreau. Il voudrait tout sauf du carreau et un 9 quand même, attention, parce que le 9 donnerait une quinte à Jean-Claude. Et il double son tapis. Il est de retour dans le match, Cédric. Exactement, on assiste à la remontée de Cédric. Les blindes sont à 20 000, 40 000, elles ne monteront pas plus. C'est déjà pas mal, vous me direz. C'est déjà beaucoup, oui. Allez, c'est maintenant au tour de Jean-Claude d'être petite blinde. Donc c'est lui qui va parler le premier. C'est lui qui peut aussi envoyer son tapis le premier. 5 et 7 de carreau. Est-ce qu'il va bluffer comme tout à l'heure ? Eh oui, maintenant ils font tapis tous les coups. Payé. Aïe ! Jeu, messieurs. Roi-dame contre... Payé, bien sûr. Et c'est Cédric à la meilleure main. Est-ce que la situation va se renverser une nouvelle fois ? 5 et 7 de carreau pour Jean-Claude contre Roi-Dame pour Cédric. Attention. As de pique, 4 de carreau, Dame de cœur. Elle est belle cette dame pour Cédric. Elle est très très belle. Pour Jean-Claude, il faudrait un 6 de carreau, j'allais dire. Il faudrait un 6 de carreau. C'est la plus belle carte du paquet. Le 6 de carreau, maintenant, il joue tous les carreaux, Jean-Claude. Il joue aussi le 3 et le 8 pour la quinte. Peut-être. Attention. Sortir sur ça, ça ne me dérange pas. Ah oui. Mais gagner, ça ne me dérange pas non plus. Et la river. Non, il a raté. Il a tout raté, tous ses outs. Cédric respire. Cédric, il respire, il double Cédric son tapis. Cédric remonte à la surface. Et il passe chip leader, surtout.
Quel joli coup. Quel joli flop. Et renversement de situation, c'est Cédric qui devient chip leader, 256 000 jetons face à Jean-Claude, 87 000 jetons. Eh bien, ce tête-à-tête final... Fort en émotion, fort en émotion pour nos candidats. Vous vous souvenez, Karima, que Cédric ne possédait plus que 30 000 jetons devant la montagne de Jean-Claude à 300 000. Donc, tous les espoirs sont permis du côté de Jean-Claude. Il peut lui aussi remonter. C'est un tête-à-tête, les blindes sont très chères. La situation évolue très très vite. C'est à vous, Cédric. C'est Cédric maintenant qui va mettre la pression, tapis. Évidemment, tapis avec une Jean-Claude. Belle main pour le faire. Une paire de 7. Est-ce que Jean-Claude va le suivre ? Et je pense que oui, bien sûr. Et avec sa hauteur roi, attention. Il pourrait être devant, il s'avère que pas du tout. Roi 2. Celui-là pourrait être le dernier coup de ce match, puisqu'il est devant avec sa paire de 7. Jean-Claude où cherche un roi. Alors, où Jean-Claude trouve un roi et le match est relancé. Attention, le flop. 7 de cœur. Oh, full au flop. C'en est quasiment fini. Full au flop. Full au flop. Ah, c'est pas complètement fini. Attention, maintenant, et maintenant. La rivière, c'est terminé. La dame de carreau, full pour Cédric. Bravo à Cédric et bravo Jean-Claude. C'était un véritable combat auquel on a assisté ce soir. Bravo, messieurs. Ben, ma première réaction, c'est une grande fierté parce qu'en fait, c'était la première fois que je le faisais. Et je suis remonté de loin parce que mon compatriote, qui est aussi pareil de l'héros comme moi, et ça m'a fait un peu de peine, mais les cartes sont tombées au bon moment. Quoi. Eh bien, bon, mais c'est toujours pareil. Quand ton père n'a pas dit de pavoiser, ni quoi que ce soit, j'aurais pu gagner. Il a gagné Cédric, c'est super. Le dernier coup, j'ai eu paire de 7 en main, donc j'ai mis tapis d'entrée. Moi, j'ai une figure, j'ai le roi avant, et sur flop, il flop le 7, bon, et puis après, je monte le roi, et il fait 3-7. La carte, c'est toujours pareil, c'est elle qui commande, et les cartes, ils n'ont pas des yeux, ils vont où ils veulent. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est les cartes, on va pas se flageller, quoi. Merci à eux deux, deux beaux joueurs, bonne humeur, le sourire. Bravo à Cédric pour cette belle victoire et Jean-Claude, et bah peut-être à une prochaine fois. Et oui Fabrice, de plus je vous rappelle que chaque gagnant de nos 5 finales intermédiaires gagnera un week-end à Monte Carlo d'une valeur de 2500 euros. Et bien voilà Fabrice, malheureusement Jamel n'a pas été assez efficace et chanceux ce soir et c'est Cédric qui termine en tête. Et oui, Cédric a fait une belle partie, il a eu un petit peu de chance et je crois qu'il va défendre très chèrement sa place la semaine prochaine. Et si vous aussi vous voulez venir défier nos champions, n'hésitez pas, tentez de vous qualifier sur le site 100%poker.fr. Merci beaucoup Fabrice. Merci Karima. Merci à tous, bonne fin de soirée et à très vite sur M6. Salut. Smile.